Jour exceptionnel, moment exceptionnel, Télé 50, grande télévision, des grands événements. Aujourd'hui, comme vous l'attendez, nous sommes prêts pour ce grand jour du retour sur la scène médiatique du Premier ministre, du sénateur et désormais du candidat président de la République, l'homme qui fait parler de lui à travers le monde et si principalement ici en RDC, on parle des présidentiables pour 2023. L'invité du jour en fait partie. Et pour cause, il vient de lancer son parti politique. Il va affirmer son idéologie, pour ne pas dire sa vision, pour le Congo. Vous êtes très nombreux, plus de 80 questions reçues à ces sujets. Voici, en ce dimanche, en direct, sur le plateau Télé 50, Mata Tampogno. Venez nous rejoindre sur ce plateau dressé pour vous. Bienvenue. Je peux vous saluer. Hein, bien sûr, JMK, bien sûr. Vous êtes l'homme attendu depuis 48 heures, plus de 80 questions reçues. Cette semaine, sortie de votre parti politique, je vois déjà l'insigne avec cet aigle. Bien sûr. Vous allez bien? Très bien. Un grand plaisir. On a dressé donc ce fauteuil pour vous. Merci beaucoup. Vous êtes encadré par les membres de votre... Installez-vous. Merci. Les membres de votre parti, en rouge et blanc. Ouais. LCD. Oui, en rouge et blanc, je l'ai dit. Maintenant, on connaît le secret de ces rouges et blancs de Mata Tampogno. Costume noir, veste blanc, plutôt veste noire avec cette chemise blanche et cette cravate rouge. Un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici. Ça fait plus de 3 ans que vous avez quitté la primature. Vous avez choisi le calme. On vous a vu élu député, ensuite sénateur. Mais l'événement qui a caractériser la République démocratique du Congo cette semaine, c'est la sortie de ce parti politique LGD. Nous avons préparé cette émission ici à Télé 50 depuis, 3 jours maintenant. Des questions pleuvent. Je signale à ceux qui sont chez eux que nous sommes en direct, effectivement, sur le D satellite, sur streaming, sur TNT, donc partout à travers le monde. Vous pouvez nous suivre et surtout suivre l'invité du jour. Alors, je vous remercie d'abord, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a Mata Tampogno à Télé 50. Tout à l'heure, on fera connaissance avec vous, à travers le travail qui est fait ici sur votre portrait. Mais une question, Mata Rod. Quand on cite le nom Mata Tampogno, vous, à titre personnel, ça résonne quoi? Bon, écoutez... Mata Tampogno Mapon aujourd'hui est une marque déposée parce que on a travaillé sur le contenu de ce nom pendant de longues années. Ce nom à partir duquel une certaine idéologie est sortie. On parle aujourd'hui du matatisme. C'est dire qu'il y a une idée à l'intérieur. Il y a une philosophie à l'intérieur. Si on parle du gaullisme, c'est qu'il y a une idée principale de De Gaulle à l'intérieur. Si on parle du kabilisme, c'est qu'il y a une idée à l'intérieur. Si on parle du tshisekedisme, c'est qu'il y a une idée à l'intérieur. À l'intérieur du matatisme, parce que vous avez posé la question, il y a la rigueur là-dedans, dans la gestion notamment des finances publiques. Il y a la bonne gouvernance, il y a un leadership des qualités. Voilà, Jean-Marie Kassamba, ce qu'on peut dire du matatisme. Il y a d'autres qui vont très loin pour d'autres métaphysiques, voyez-vous, pas des matatismes, mais du maponisme. Il y a même un professeur d'université qui écrit sur le maponisme. Maponisme. Oui.
Laissez-moi permettre à ceux qui nous suivent à travers le monde de prendre connaissance avec votre portrait, parce que de ces fils des Lumbulumbu qui devient aujourd'hui candidat président de la République, tout un chemin parcouru. J'ai un nombre de questions. Et la première qui serait posée juste après votre portrait, c'est de savoir ce calme que vous avez pris. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui vous exprimait tellement avec des mots justes qu'on s'était dit, est-ce que c'est une discipline personnelle? Est-ce que c'est une punition qu'il s'est donnée lui-même? Est-ce qu'il était sous contrainte? Voici le travail que nous avons fait sur vous pour savoir un tout petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la cravate rouge, les lunettes, ces côtés sobres, mais qui fait peur. Adulé par certains, notamment ceux qui aiment l'excellence, mais critiqué par ceux qui ne veulent pas, effectivement, une certaine rigueur. On vous a attribué tout. Enfin, on va le savoir. Regardez cet écran et regardez-vous. Auguste Matata Ponyo, né le 5 juin 1964 à Kindu. Matata Ponyo est spécialiste en politique budgétaire et monétaire et s'intéresse particulièrement aux questions des développements économiques, des bonnes gouvernances, du climat des affaires et des mobilisations des ressources publiques. Il a obtenu une licence en économie monétaire et internationale de l'Université de Kinshasa en 1988 et un diplôme d'études approfondies, DEA, en économie de développement, de la même université en 2016. Il a obtenu son doctorat en sciences économiques à l'Université protestante au Congo en février 2018. Il a travaillé à la Banque centrale du Congo dès 1988. En 2000, il devient conseiller du ministre des Finances. De 2001 à 2003, il participe à la conception et à l'exécution des réformes ayant permis au pays de renouer avec les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale. Par la suite, de 2003 à 2010, il devient directeur général du Bureau central de coordination BCECO, où il coordonne avec succès les financements des bailleurs des fonds destinés à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le 19 février 2010, il fit son entrée au gouvernement comme ministre des Finances et le 18 avril 2012, il est nommé Premier ministre jusqu'au 20 décembre 2016. En tant que ministre des Finances de la République démocratique du Congo, il a pu stabiliser l'économie congolaise dont les principaux équilibres étaient rompus pendant plus de 5 années. Il a pu mener à terme la première revue du programme économique du gouvernement congolais avec le FMI, ce qui a permis à la RDC d'atteindre le point d'achèvement en juin 2010 et d'obtenir l'effacement de plus ou moins 10 milliards de dollars de sa dette extérieure. Il a piloté plusieurs réformes importantes, dont certaines ont abouti à des lois, notamment un nouveau code de douane, la loi sur les finances publiques, le nouveau code des marchés publics, la taxe sur la valeur ajoutée. Il a lancé en 2010 un programme innovant de mobilisation et de rajeunissement de l'administration des finances au travers d'un programme de recrutement et ce placement de jeunes universitaires congolais, recrutés sur base extrêmement compétitive. Il est également parmi les initiateurs de la création de l'École nationale d'administration ENA en sigle, lancée au mois d'avril 2014. Durant son mandat au ministère des Finances, il était le président du caucus africain, organisation réunissant tous les ministres des Finances de l'Afrique subsaharienne au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale et président du Conseil des gouverneurs de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, basée à Nairobi au Kenya. En tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo, il a engagé des actions courageuses dans le domaine des finances publiques et de la gestion budgétaire. Les résultats en sont une amélioration sensible des indicateurs du cadre macroéconomique, notamment avec un taux d'inflation de 2,72% en 2012, de loin inférieur
aux prévisions du programme avec les FMI, convenu à 9%. En 2015, ce taux a été de 0,8%. La RDC a affiché entre 2012 et 2015 les résultats économiques impressionnants, avec un taux de croissance de près de 7% en moyenne depuis 2010, contre une moyenne de 3,5%. En Afrique subsaharienne, l'économie congolaise a été parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde. Matata Ponyo a impulsé la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État, contribuant ainsi à améliorer les circuits bancaires du pays, mais surtout à endiguer la fraude massive qui gangrénait les secteurs. Depuis janvier 2017, il est président du conseil d'administration d'un think tank dénommé Congo Challenge. Il est aussi le président de la Fondation Mapone qui finance des œuvres caritatives dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Marié et père de 4 enfants, en novembre 2018, il est désigné par le président de la Commission de l'Union africaine pour diriger la mission d'observation des élections législatives du 20 décembre 2018 en République togolaise. Il a eu à cet effet des entretiens avec les différentes parties prenantes, y compris les officiels du gouvernement et ceux en charge des élections, les candidats et partis politiques, les représentants de la société civile et les médias. Il a ensuite supervisé les déploiements des observateurs dans différentes circonscriptions électorales au pays pour suivre et évaluer le jour du scrutin. Depuis février 2019, Matata Ponyo réalise des missions d'accompagnement du gouvernement de la République du Togo dans la mise en œuvre et les suivis évaluations de sa vision du développement du pays tel que coulé dans le plan national de développement 2018-2022. Un appui stratégique et technique du gouvernement dans l'implantation du programme économique et une communication conséquente aux membres du gouvernement sur le leadership et la gestion axée sur les résultats. Enfin, depuis mars 2019, il est élu sénateur de la province du Maniema en République démocratique du Congo. Le 3 mai, Matata Ponyo est désigné président du nouveau parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, candidat président aux élections de 2023. Matata Ponyo, quand je regarde ce portrait et avec moi tous ceux qui suivent à travers le monde, on a l'impression que ces fils d'une famille modeste de Lumbulumbu qui est en face de moi, qui risque d'être président de ce pays, a été peut-être poussé par une force mystérieuse. Effectivement, Jean-Marie, il existe une force mystérieuse dans chacun d'entre nous dès la naissance. C'est le potentiel de leadership que Dieu place en chacun d'entre nous à sa naissance. Quitte à celui qui veut de l'exploiter au maximum, de les rentabiliser et de produire des résultats. Je suis né effectivement dans une famille extrêmement pauvre parce que j'ai dormi sur la natte, à même le sol. J'ai dormi dans une maison en briques d'aube, une maison en paille. Et une maison sans eau, sans électricité. Mais j'ai eu l'éducation des parents insistant sur le travail dur, la recherche de l'excellence, la recherche de la perfection, la discipline, la rigueur. Voilà, Jean-Marie Kassamba, le pouvoir mystique auquel vous avez fait référence. Je sais que vous les connaissez. Il n'y a rien de plus mystérieux que le travail dur, que le sacrifice, que la discipline. C'est cela le vertu essentiel qui font que les nations sont plus fortes que les autres.
On va en parler certainement. Mais depuis que vous avez quitté la primature, il y a 3 ans, remise de prise avec Sami Badibanga, d'aucuns s'attendaient à faire un bilan de votre passage, tout ce qu'on a vu comme réalisation, on en parlera certainement. D'aucuns pensaient que vous allez attaquer le système, attaquer le PPRD où vous étiez, parce que vous étiez élu candidat président, enfin candidat indépendant. Mais vous êtes resté calme, presque absent, invisible, jusqu'à ce qu'on vous a vu, député, puis sénateur. Ni tété les attaques, on n'a pas dit les poursuites judiciaires. Personne n'entendrait Matata dire mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que le silence, c'est aussi une qualité. Le silence, c'est aussi une vertu. On peut parler aussi par le silence, Jean-Marie. Et parfois, le silence est plus éloquent que le brouhaha. Je pense qu'il était important de prêcher par la sagesse, de laisser l'opportunité à ceux qui m'ont succédé à cette fonction, d'exercer avec beaucoup de liberté, beaucoup de concentration. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait qui compte. Vous pouvez trop parler sans contenu. Vous serez peut-être écouté dans les minutes qui suivent, mais dans la durée, vous ne serez jamais entendu, vous ne serez jamais compris. Mais le silence fondé sur la qualité de la profondeur de l'action, ce silence-là est plus éloquent. Et je pense qu'il fallait laisser à mes successeurs. Mais 4 premiers ministres qui vous ont succédé, oui. Vous n'avez pas une appréciation de ce qu'ils faisaient comme travail, peut-être les orienter, parce que vous avez mis en place là-bas ce qu'on appelle le jardin des premiers. Est-ce que vous êtes reparti à la primature voir votre jardin, enfin le jardin que vous avez installé? Ce n'est pas mon jardin, on l'a baptisé le jardin des premiers, c'est-à-dire le jardin de tous les premiers ministres qui ont exercé avant moi et qui vont exercer après moi. Je pense, Jean-Marie Kassamba, qu'il était utile pour moi de laisser l'opportunité aux Congolais, aux experts nationaux et internationaux, de pouvoir apprécier et de pouvoir tirer les leçons du management, de la gestion, du leadership des uns et des autres. Et je crois que c'est par respect aussi à mes successeurs. Mais il faut aussi le dire que depuis que j'ai quitté la primature, je n'ai pas manqué de travail. Vous savez, j'ai été sollicité à travers le monde pour pouvoir donner des conseils, non seulement aux gouvernements africains, mais aussi aux chefs d'État africains. Donc, je crois que j'étais très occupé. Et c'est par amour à ces grands pays que je n'ai même pas pu déménager, parce qu'il y a des présidents qui m'ont demandé carrément de déménager pour rester auprès d'eux. Ah, vous étiez tenté de déménager? Non, ou je n'étais pas, je n'étais pas tenté, ça je peux vous le dire. Oui. Mais il m'a été demandé de déménager. Mais j'ai refusé, par amour à ce pays. Alors, vous étiez de la famille PPRD. On voit à ces élections 2018, Matata Ponyo, candidat indépendant. C'était l'affront à quoi? Non, mais il faut bien préciser, j'ai été candidat PPRD pour les élections des députations nationales. Oui. J'étais élu député national sous le drapeau du PPRD. Mm. Bien que j'ai été combattu par mon propre parti, rappelez-vous, le secrétaire général du PPRD à l'époque, est descendu à Kindu pour dire « Ne votez pas, monsieur Matata ». Mais la population a dit « Mais comment ? Comment vous êtes le secrétaire général du PPRD, vous pouvez demander qu'on ne vote pas un cadre du PPRD enregistré, retenu par le parti ?» Et la population a elle-même décidé, j'ai été élu. Mais cependant, en ce qui concerne les élections sénatoriales, oui, j'ai décidé avec le consentement de l'autorité morale du PPRD et du FCC de pouvoir me présenter en tant qu'indépendant.
Et c'était évidemment voulu par moi-même, discuter avec l'autorité morale, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la perspective de tout ce qui allait se passer par la suite. Alors, quel est ce mariage, Matata, avec la population du Maniema? Qu'est-ce qu'ils vous trouvent, les gens du Maniema? Bon, je pense, Jean-Marie, vous le savez, mais ça ne coûte rien de les répéter pour une meilleure appréciation des uns des autres. Je crois que la magie qui existe entre un homme politique et la population, c'est la magie de service. C'est la magie de s'occuper de la population. Comme le disait Martin Luther King, il disait, tout homme est capable d'être aimé par la population. Tout homme est capable d'être grand parce que tout le monde a la capacité de servir les autres. Regardez, Jean-Marie, la magie. La magie de la politique. Politis est un mot d'origine grecque. Ce sont les Grecs qui ont fondé les mots politiques. Politis veut dire tout simplement servir la population, être au service de la population. Et politique veut dire un homme qui est au service de la population. Quand j'ai exercé les fonctions politiques, je n'ai pas oublié l'essence du monde politique. Je servis la population congolaise, je servis la population de la province d'Imanima. Et elle est restée très attachée. Et je vous dis, c'est ça la magie de la relation ineffaçable. Mais justement, vous êtes né à Lumbulumbu. Moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas. Quand on arrive là-bas, école, hôpitaux, voirie, Maniema, Kindu Maniema, l'aéroport. Est-ce que... Alors, je vais la poser cette question beaucoup plus directement. Matata Mponyo a fait tout ça, naturellement, sous le leadership de Joseph Kabila, pour s'attirer justement cette affection des gens de Maniema, ou c'est parce qu'il voulait prouver à ses propres parents, des Lumbulumbu, que je pouvais réussir tout en étant enfant de pauvre. Bon, je crois, Jean-Marie... il faut pouvoir s'élever à la fois spirituellement, philosophiquement et professionnellement pour comprendre les mystères de ce que vous venez de poser comme question. D'abord, en tant que Premier ministre, j'ai travaillé pour l'ensemble du pays. Il ne faut pas tomber dans le piège de médiocre. Il ne faut pas tomber dans le piège de tout ce qui veulent peindre le tableau de manière négative parce qu'ils n'ont pas été capables de peindre même un mètre carré de tableau. Lorsque le PNUD, l'organe spécialisé des Nations Unies, note qu'en 2014, la RDC gagne 11 points dans les indicateurs sociaux, économiques, et c'est la première fois, et c'est un Malien qui le disait, c'est la première fois dans l'histoire du PNUD qu'on voit un État gagner 11 points dans les indicateurs socio-économiques. Un saut qualitatif. C'était quoi? C'est l'enregistrement de progrès dans tous les secteurs. Parce que l'indice IDH du PNUD, c'est un indice composite. Il prend en compte l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le nombre d'enfants qui meurent, de nouveau-nés, l'accès à la scolarité. Bref, un ensemble d'agrégats. Il s'est avéré, Jean-Marie Kassamba, que la RDC a fait un progrès énorme. Et donc ça, ce ne sont pas les indicateurs de la province du Maniema. Ce sont les indicateurs de l'ensemble du pays. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Gordon Brown, quand il arrive ici, Gordon Brown, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le domaine de l'éducation, il dit... Ce que la RDC est en train de faire dans le domaine de l'éducation, monsieur le Premier ministre Matata, laissez-moi vous dire, même les pays de l'Amérique latine n'ont pas fait ce type de pas de géant. C'était sous le ministre Macaire, un des excellents ministres que le pays ait connu dans le domaine de l'éducation.
Écoutez, je suis un tout petit peu, allez, pas choqué, mais un peu bouleversé, parce que après tout ce qui vous est arrivé depuis quelque temps, je vous trouve requinqué. Psychologiquement, mentalement, physiquement, vous êtes comment? Bon, écoutez, GMK, j'ai toujours été comme ça. C'est l'une des vertus du leadership. Lorsque vous êtes attaqué, comme je le suis aujourd'hui, dans mon propre pays, comme si je n'étais pas congolais, mais quelle est la meilleure arme que vous puissiez avoir? C'est l'optimisme, Jean-Marie. C'est l'une des qualités du leadership. Et surtout lorsque vous savez que vous êtes attaqué pour des choses pour lesquelles vous n'avez pas fait. Au moins tous les Congolais savent aujourd'hui que je suis attaqué pour des raisons qui ne sont pas objectives. La population du Maniema aussi, celle que vous avez évoquée tout à l'heure, elle a réalisé que je n'ai pas oublié mes origines. Et laissez-moi vous dire, Jean-Marie, parce que vous l'avez vu, la petite maison en paille dans laquelle je suis né, elle est là. Conservée. Je n'ai pas honte de dire que je suis né dans une maison en paille et que j'y ai grandi. Et cette population du Maniema a réalisé que, en dépit du fait que je suis devenu Premier ministre, je n'ai pas oublié mes origines, y compris Jésus-Christ n'a pas oublié. Je n'ai pas honte de dire que je suis né dans cette province du Maniema, dans ces quartiers qui étaient considérés comme les quartiers les plus pauvres. Et donc, ma force, Jean-Marie Kassamba, pour répondre à votre question, c'est que j'ai ma conscience tranquille. Et des millions de Congolais savent que je n'ai rien fait, mais que je suis combattu, je suis martyrisé. Pourquoi? Par ceux qui n'ont jamais voulu faire quelque chose pour ce pays. Ils veulent montrer à ceux qui n'ont rien fait que lui aussi n'a rien fait. Mais la population n'est pas dupe, Jean-Marie Kassamba. La population n'est pas dupe. Le mythisme du silence du peuple congolais ne veut pas dire que le peuple congolais ne connaît rien du tout. Alors, justement, ma tête en pognon, parce que vous dites, vous respectez, vous rappelez de vos origines. Le monde nous suit. Et moi, vous savez, je suis un peu taquin, je cherche, je suis un chercheur. J'ai fait une petite enquête là, juste sur ce plateau, pour savoir, mais qui entoure finalement Matata Mponyo? S'il est aussi respectueux de ses origines, allez, à votre droite, je vois un monsieur, il n'a pas la chance juste de parler, mais moi je sais que j'ai fait une petite recherche. Il est de l'Équateur, le monsieur à côté. Et à votre droite, il y a un monsieur, enfin, d'après mes recherches toujours, il serait secrétaire général de ce parti dont on parlera tout à l'heure. Il semble qu'il est du Kassai. Ça, c'est les tableaux que vous voulez nous peindre, ou c'est la réalité de comment travaille Matata Mponyo depuis toujours? Tribaliste ou pas? Écoutez, Jean-Marie Kassamba, la meilleure tribu qui puisse exister au monde et à laquelle j'appartiens, c'est la compétence. Ah bon? C'est la compétence. C'est la meilleure tribu qui puisse exister. Je suis professeur d'économie. Je n'ai jamais lu dans un livre le résultat d'une recherche scientifique sérieuse qui indique que la tribu, la fraternité, l'amitié constituent un facteur du progrès pour une nation, même pour un individu. Laissez-moi vous dire que depuis que j'ai commencé à travailler, que ce soit au BCECO, que ce soit au ministère des Finances, que ce soit la primature, ma meilleure tribu, ça a toujours été la compétence. Jamais, jamais Manye Matekeboy, jamais Ndokuyango, jamais... Ça n'existe pas, JMK, parce que lorsque Obama et McCain sont reçus par un pasteur aux États-Unis pour le premier mandat d'Obama, leur première rencontre de débat, c'est dans une église, autour d'un pasteur. La première question qu'il est reposé. Quel est le secret de ce que vous voulez imprimer comme politique économique? La réponse des deux, la recherche de la compétence.
si je suis ce que je suis aujourd'hui, Jean-Marie, c'est parce que je me suis fait entourer des gens compétents. Regardez, ma secrétaire, depuis plus d'un... Elle est d'où d'abord, la secrétaire? Elle est du Kassai. Ah bon? Ma secrétaire est du Kassai. Mon secrétaire particulier était de Bandundu. Mon chauffeur, il est du Congo central. Mon garde du corps, il est de Bandundu. Je n'ai personne du Maniema. Mais je peux vous dire que je suis satisfait de leurs prestations. Je suis satisfait de leur dédication. Et c'est cela, la magie. Bon, j'ai bien compris. J'ai bien compris, Matata Ampogno. Dites-moi d'abord, hein, les Congolais qui nous suivent, surtout beaucoup des jeunes, qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays, vous, de la Banque Centrale, en passant par Beseco, Primature, quantifier tout ça sur papier. Vous avez fait quoi? Mais écoutez, Jean-Marie, John Kennedy disait, un homme précieux ne se pose jamais la question, qu'est-ce que le pays m'a donné? Il pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai donné à mon pays? Oui. Dès la Banque Centrale, je travaille dur à la Banque Centrale. J'ai créé une méthode qui reste d'actualité jusqu'à aujourd'hui, les calculs de la masse monétaire par ses composantes. Et votre méthode en poli? Oui. Elle existe jusqu'à aujourd'hui. J'ai quitté la Banque Centrale, je suis arrivé comme conseiller au ministère des Finances. J'ai inauguré les réunions trop matinales, 6h, 7h du matin, avec les responsables des riches. Je suis allé comme directeur général du BCECO. J'ai fait construire des écoles, des hôpitaux dans l'ensemble du pays. Je connais ce pays parce que j'ai été partout. L'histoire du BCECO remonte à ces années glorieuses de cette institution qui a travaillé à la grande satisfaction des institutions comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, comme l'Union européenne, qui ont mis leurs fonds, qui était géré de manière transparente. Est-ce que vous prenez des pourcentages au passage? Jamais. Je peux même vous dire que, toujours pour faire face à ces détracteurs qui ont voulu démontrer que les fonds n'étaient pas bien gérés, la Banque mondiale a envoyé sa mission d'intégrité. Conclusion, gestion transparente et concluante. Ça, c'est la Banque mondiale? La Banque mondiale. Vous pouvez entrer dans le site internet, vous trouverez ce type de conclusion. J'ai été ministre des Finances, Jean-Marie Kassamba. Le point d'achèvement, il a fallu 5 mois de travail dur en 2010 pour obtenir ce qui n'a pas été obtenu pendant 7 ans. 5 mois nous ont permis. Quand je suis arrivé Premier ministre, vous le savez, je vous ai parlé tout à l'heure, on a gagné 11 points. On a été parmi les économies les plus dynamiques au monde. On a été parmi les 5 économies les plus réformatrices au monde. Mais on dit aussi que la conjoncture vous a aidé. Nullement. Je vais vous donner un exemple. Il y avait le boom immobilier, le boom minier. Loin de là. Il y avait la paix retrouvée. Mais dites-moi aujourd'hui, quel est le cours du cuivre? Le cours du cuivre est à un niveau plus élevé que celui que nous avons enregistré. Quel est le taux de croissance? Nous avons fait un taux de croissance moyen de 7,7, Jean-Marie. Alors que l'Afrique subsaharienne tout entière était au niveau de 3,5. Quel est le taux de croissance aujourd'hui? Les modèles économétriques les plus sophistiqués ont été utilisés pour savoir si ce n'était pas l'embellie des cours. Conclusion, c'était plutôt le leadership et la gouvernance de qualité. Ça a été attesté par des institutions aussi crédibles comme la Banque mondiale. Mais Matata Ampogno, vos détracteurs disent, voilà le seul Premier ministre qui a planté à Bukang Alonso, il a récolté l'université top moderne chez lui au Maniema. Ça vous affecte, ça? Ça ne peut pas m'affecter, Jean-Marie, parce que ce sont des maîtres chanteurs de tous ces détracteurs, ceux qui ont volé suffisamment de l'argent et qui s'en vantent parce qu'ils disent « Nous sommes capables d'instrumentaliser des jeunes faméliques pour pouvoir nous honorer, nous, des grands voleurs. » C'est dommage, Jean-Marie. Vous savez, Machiavel disait, et c'était malheureusement très loin de nous, au XVIIe siècle, il disait, si vous voulez voir la capacité des nègres
de pouvoir détruire leurs propres frères noirs, identifier les meilleurs d'entre eux, comme les Jean-Marie Kassamba. Donner une parcelle de pouvoir et de liberté aux médiocres, vous serez étonné par la capacité de destruction de ces médiocres contre leurs profs. C'est ce qui vous arrive? Mais écoutez, cette université dont vous parlez, la plaque de tous les contributeurs, elle est à l'entrée de l'université. Et ce ne sont pas des petites entreprises, ce sont des grandes entreprises qui ont pignon sur rue. Mais aucun de ces détracteurs n'est jamais allé poser la question parce qu'ils savent. Je vais vous dire une chose, le procureur, le tout-puissant procureur général près de la Cour constitutionnelle, il a appelé le constructeur de cette université. Et c'est lui-même qui les témoigne, dit, j'ai appelé, j'ai reçu le constructeur qui m'a donné le flux financier et aucun dollar qui est venu du trésor public, Jean-Marie Kassamba. Regardez la médiocrité d'une société. Et on utilise des jeunes qui ont des difficultés même pour vivre, pour dire, dites que Matata a volé l'argent des Bukangaros pour construire une université. Alors que cette université a été conçue par nous, par une fondation qui existe depuis 2007. Moi, je n'ai pas créé des fondations comme les autres. Quand ils arrivent au pouvoir, ils créent des fondations. La fondation Mapone existe depuis 2006. 2007, je n'étais pas. Alors, Madame Pogno, les jeunes vous suivent en ce moment-là. Vous avez une espèce d'attractivité de jeunes intellectuels. Dans les portraits, tout à l'heure, on a parlé de l'ENA. Allez, revenons un tout petit peu sur votre méthode troïka stratégique. Vous travaillez très tôt le matin, vous restez très tard, sobre dans la manière de vous mouvoir dans la ville, etc. Cette discipline-là, vous pensez qu'elle est congolaise ou elle est matataliste, s'il faut le dire. Mais écoutez, Jean-Marie, il n'y a pas de mystère. C'est pour ça qu'il y a un seul Jean-Marie Kassamba et il n'y en a pas deux. Parce que vous, Jean-Marie Kassamba, vous avez compris le secret de la réussite. La réussite, elle est fondée sur quelque chose de simple, le travail ardu, le vertu du leadership. Mais lisez, Jean-Marie, trop jeune, j'ai appris à lire. J'ai lu la Bible plusieurs fois. J'ai découvert le merveille dans des livres comme Proverbes. Lisez Proverbes. Dieu conseille aux hommes de se réveiller tôt. L'histoire de cette femme vertueuse qui balaye quand les autres dorment, qui allume le feu quand les autres dorment. Lisez la théorie du leadership. Très tôt le matin, le cerveau, c'est un muscle. Mais il est plus performant parce qu'il vient de se reposer, le muscle du cerveau. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Cette discipline-là, Jean-Marie Kassamba, il n'y a aucune nation développée. Vous avez suffisamment voyagé, je le sais. Vous avez vécu pendant vos études et vos premières années professionnelles avec ceux qui ont développé leur pays. Mais prenez les livres, lisez l'histoire de ces pays. C'est l'histoire du travail ardu. Alors parlons-en justement de ces leaderships. Un mot qui est entouré de beaucoup de mystères. Leadership. Vous avez même créé une filière, un diplôme qui est préparé dans une université de la place ici en leadership. C'est quoi leadership? On a l'impression que c'est un mot barbare. Vous voulez impressionner les gens. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé trois questions successives. Il dit, demandez au Premier ministre Matata qui nous dit c'est quoi son affaire de leadership. C'est quoi? On mange le leadership? Comme on vous demandait autrefois, est-ce qu'on mange les cadres macroéconomiques? C'est quoi le leadership? Comme toujours, Jean-Marie, même quand je parle aux étudiants, je dis, attention, il ne faut pas être guidé par le médiocre. Quand ils vous disent qu'on ne mange pas la macroéconomie, mais la macroéconomie se mange. Parce qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé sans taux de croissance élevé. Il n'y a aucun pays qui s'est développé sans taux d'inflation faible.
Il n'y a aucune économie qui s'est développée sans une balance de paiement et qui dégage des soldes financiers et d'exportation et positive. Voyez-vous, on mange la macroéconomie lorsque les prix sont stables. On mange la macroéconomie lorsque les écoles sont construites. On mange la macroéconomie lorsque les hôpitaux sont construits. Le leadership, Jean-Marie Kassamba. Voilà le merveille. Quand vous étudiez l'histoire d'un pays comme les États-Unis, le rêve américain, mais il est fondé sur quoi? Mais il est fondé sur le leadership. Quand on vous parle d'Abraham Lincoln, mais lisez l'histoire, c'est le leadership. Quand on vous parle du gaullisme, un pays que vous avez fréquenté, la France, le gaullisme, mais c'est le leadership. Vous avez, vous, Jean-Marie, parce que vous êtes professionnel, suivi le leadership de cet homme précieux pour la France. Absolument. Quand on vous parle de Napoléon, mais écoutez, le leadership c'est quoi, Jean-Marie? C'est avoir une vision. Avoir une vision, avoir un rêve grand. Une vision doit toujours être grande, qui vous permet de vous dépasser, de mobiliser les énergies, de canaliser la passion. Mais le leadership, c'est quoi? C'est avoir des objectifs. Parce que la vision, elle est abstraite. Mais il faut avoir des objectifs quantitatifs, sectoriels, qui vous permettent de planifier le plan. Jean-Marie Kassamba, le plan a été un outil qui a été au centre du progrès des pays comme le Japon, comme la France. En quoi ça nous concerne, nous, Congolais? En quoi il y a un déficit de leadership chez nous? Et comment vous, Matata Mponyo, vous poussez tout le monde à s'intéresser au leadership. En quoi ça va permettre notre pays d'échanger? Mais ça va changer comment? Mais Jean-Marie, mais regardez, vous avez été avec nous ici. Vous avez vécu la période 2012-2016. On a eu un leadership au sommet de l'État et un leadership opérationnel au niveau de la primature. Et ça a produit ce que ça a produit. Ce n'est pas chimérique. Je ne vous parle pas de la théorie, je vous parle du concret. Vous parlez de la troïka stratégique, mais je l'ai exportée dans d'autres pays africains. Oh, la troïka stratégique a été exportée. Mais c'est une méthode qui vise la mise en œuvre d'une vision. À l'époque, on avait une vision. La révolution, la modernité. Mais c'est vague, n'est-ce pas? Un rêve, c'est toujours vague. Mais il fallait matérialiser ça par une politique économique. Des réunions systématiques et des réunions, Jean-Marie Kassamba, qui ne duraient que 60 minutes. Pas plus. Pas plus, pas moins. Et en aucun jour, cette réunion a commencé avec 6 minutes ou bien 6 heures, 1 minute ou 7 heures, 1 minute. Jamais. Et ne s'est terminé jamais avec 7 heures, 1 minute ou 8 heures, 1 minute. C'était pas de l'arrogance, là, de Matata Mponyo? Il n'y avait jamais de l'arrogance. Qui voulait que les ministres soient à l'heure. Et je m'appelle, d'ailleurs, un des ministres était énervé. Oui. Vous l'avez renvoyé à quelques minutes seulement de ces troïkas. C'était les deux premières réunions et tout le monde s'est rangé. Jean-Marie, en 1960, la Corée du Sud, que vous avez certainement déjà visité, absolument, était au même niveau que la RDC. Au même niveau. Je n'exagère en rien. Vous savez ce que c'est le secret? C'est le leadership. Mais lisez, vous allez voir. Je n'ai rien inventé, Jean-Marie. On dit, si vous voulez voir très loin, comme le disait Einstein, il dit, mais vous me dites que moi, je suis grand. Je me suis seulement mis sur les épaules de ceux qui sont grands. Alors, Matata Mponyo, nous avons été surpris cette semaine de voir un parti politique naître. Aux couleurs que vous affichez depuis que vous étiez Premier ministre. Beaucoup se posaient la question, mais pourquoi cette discipline, ces costumes noirs, cette chemise blanche, cette cravate rouge? Il y a même des jeunes gens qui portent maintenant des cravates rouges. LGD, Leadership Gouvernance pour le Développement. C'est un peu vague, non? Non, écoutez... Trop vague même. C'est même pas vague. C'est pour ça qu'il nous dit un parti de plus, un parti de trop. Non. Sincèrement, je dois vous dire, ça n'a jamais été mes habitudes de verser dans la routine.
de verser dans le général. Non. La création de ce parti, LGD, répond à une demande. Laquelle ? À une demande. D'avoir un parti. Qui a demandé un parti politique de plus ? Il y a une demande populaire, Jean-Marie Kassamba. Vous le savez très bien, mais je suis obligé de vous le dire, parce que vous le savez. Oui. Et le peuple congolais a besoin d'un parti politique qui ne fonctionne pas comme une ONG à but lucratif. Le peuple congolais a besoin d'une offre politique, comme je vous l'ai dit, politis. Ça veut dire être au service des autres. Quand le parti politique Jean-Marie Kassamba s'est créé, c'est la Grande-Bretagne. Vers le début des années du 19e siècle, le parti politique, c'est une forme de syndicat au profit de la majorité. Ce n'est pas au profit de soi-même. LGD veut répondre à cette préoccupation. Voilà pourquoi il y a un engouement à l'adhésion de ce parti. Il y a un engouement inimaginable. Ben, il vient chercher les millions que Matata a mis de côté. Il n'y a pas de millions. Passez au parti, vous allez voir. Ce sont les idées. Nous partageons les idées. Nous partageons les convictions. Nous partageons les rêves. Le rêve des grands de ce monde, des grands de ce pays. Jean-Marie Kassamba, ce pays est un don de Dieu qui a tout, qui ne mérite pas d'être traité comme c'est le cas aujourd'hui. Un vice-président se réveille le matin et dit « Les Congolais sont des danseurs, les Congolais sont des jouisseurs. » Mais écoutez, ça, c'est les Kenyans qui a dit ça. Il est grand temps. C'est un peuple fier. Les Congolais, c'est un peuple fier de lui-même. Vous allez vous y prendre comment ? Écoutez, par le travail. Nous sommes en train de fédérer. Nous sommes en train de fédérer des gens qui sont passionnés de ce pays. Il y a des jeunes qui sont disposés à pouvoir carrément tout laisser pour s'engager la tête et le pied et la main dans cette aventure passionnante pour que dans les 30 ans, ce pays soit une économie émergente. Et c'est possible parce que, regardez, Link New de Singapour, un pays, île, qui est plus petit que la ville de Kinshasa, mais qui a plus de 300 milliards de dollars de réserves d'échange, donc qui peut acheter la RDC plusieurs fois. La question, quand on pose à Lincoln You, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, quand on me nomme les leaders de ce pays, je me pose une seule question. Dois-je opter pour un leadership de qualité, une gouvernance de qualité, ou je dois faire comme mes prédécesseurs? La voix intérieure, la voix de Dieu, la voix des Singapouriens me dit, prenez la voie des leaderships et de la bonne gouvernance et voilà le secret de Singapour d'aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous poser quelques questions. Quelqu'un m'a posé la question pour savoir, dites au Premier ministre, enfin, candidat président, il est élu en 2023. Les 100 premiers jours, il fait quoi? Écoutez, Jean-Marie Kassamba, vous étiez là quand nous avons fait le bilan des 100 premiers jours à la primature. Vous étiez là. Et vous avez vu qu'en 100 jours, on avait déjà fait beaucoup de choses. Nous n'avons rien à apprendre, Jean-Marie. Si on est élu, mais on commence à travailler les jours suivants, avec la même méthode de rigueur, de la discipline, de la passion, de la bonne gouvernance. Nous avons appliqué. Mais c'est quoi les atouts de Matata? Parce que vous avez des belles phrases, hein? Mais le Congo, c'est une particularité. On parlera tout à l'heure de ce qu'on dit l'injustice. Vous avez dit que vous êtes poursuivi injustement, etc. Mais votre méthode, là, comment vous l'imprimez dans le cerveau du Congolais, pour qu'il fonctionne autrement que maintenant? Mais écoutez, Jean-Marie, c'est ça quand on vous dit le mystère des leaderships. Le mystère des leaderships. Le peuple, Jean-Marie, a besoin de personnes qui constituent des modèles, les role models, comme on le dit en anglais. Le peuple congolais, je vais vous donner un exemple concret. Lorsque nous créons Transco, dans ce pays,
les Congolais se mettent en ligne pour attendre le bus. Oui, c'est vrai. C'est ce bus-là. Mais voilà. Il y en avait par dizaines. Hein? Voilà, on en avait acheté 500. Un ministre camerounais arrive ici. Il est surpris. Il pose la question au ministre des Transports de l'époque, Kalumba. Il dit, mais monsieur le ministre, mais je suis étonné. Dans ce même pays, j'ai vu des gens qui n'attendaient jamais, qui se bousculaient, qui ne montaient pas les fenêtres et tout ça. Ils attendaient par quoi? Il y avait du mimétisme, du matata, ou il y avait une discipline imprimée? Non, vous savez, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Le leadership, Jean-Marie, c'est l'organisation, c'est la discipline. Comme le bus passait toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, mais il n'y avait pas besoin de courir. Vous comprenez? De la même façon, quand on a créé CongoRwise. Ok, presque. Comme CongoRwise était bon, hein? À temps, comme CongoRwise était vérifié, certifié, IOSA, les experts des Nations Unies, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, qui pour partir de Kinshasa, aller à Lubumbashi, dans le même pays, devait quitter, soit prendre South Africa Airways, aller à Johannesburg pour remonter à Lubumbashi, ou bien prendre Kenya Airways, aller à Nairobi pour aller à Lubumbashi, ou bien prendre Ethiopian pour remonter. Mais ils prennent CongoRwise. Pourquoi? La méthode, la rigueur, la discipline. CongoRwise, compagnie congolaise à 100% publique, certifiée IOSA, a servi aux Nations Unies. Une compagnie à 100% congolaise. La discipline, Jean-Marie, c'est cette capacité de pouvoir gérer la complexité. C'est ça le leadership. Mais pourquoi on peut laisser une compagnie nationale qui appartient aux Congolaises et aux Congolais et créer une autre compagnie avec un autre pays? Les Congolais sont-ils incapables de créer une compagnie qui appartient à 100% comme Kenya Airways, comme South Africa Airways, comme Ethiopian? C'est inimaginable. Matata Mponyo, vous êtes nostalgique des Matata ou vous êtes nostalgique des Congolais qui n'ont pas appliqué la méthode Matata? Non, je ne suis pas nostalgique, Jean-Marie Kassamba, mais je regarde tout simplement que le matatisme a réussi un coup de fouet destructeur. Vous savez, les Congolais, c'est un peuple merveilleux. Il répond comme tous les autres peuples. Si le leadership est de qualité, si la gouvernance est de qualité, mais les Congolais suivent. Nous avons appliqué dans ce pays-ci la rigueur dans la gestion des finances publiques, Jean-Marie Kassamba. Lorsque nous avons refusé à tous ceux qui ont des entreprises dans leur mallette d'être payés par les trésors publics et de canaliser ces fonds-là dans les trésors publics, ce sont ces fonds-là qui ont acheté CongoRwise, qui ont créé CongoRwise. Lorsque nous avons refusé à ce que ces gens qui payent les salaires des gens puissent prendre des prébendes et que nous avons bancarisé la paye, mais vous avez vu, on a récupéré mensuellement près de 10 millions de dollars qui étaient volatilisés. Mais le peuple congolais, mais il a obéi à ça. Mais regarde, ces jeunes congolais qui sont nourris par les grands détourneurs des fonds publics, ils arrivent même à dire, ah non, on n'a pas bancarisé la paye des militaires. Mais viennent-ils du ciel? Mais ils savent que la paye des militaires a été bancarisée. Mais parce qu'ils ont été perfusés par des dollars détournés, ils sont vite disposés à dire des mensonges. Parlons justice, Matata Mponyo. Parce qu'on a remis vers la mission, parce que j'ai énormément de questions. Les gens posent des questions, mais Matata Mponyo, Bukanga Lonzo, ça va lui coller à la peau. Combien il a mis dans sa poche? Pourquoi il ne veut pas aller en justice ou plutôt comparaître? Pourquoi il se prend pour une victime? Pourquoi il veut le bouclier du Sénat? Pourquoi Matata Mponyo serait ces Congolais poursuivis injustement? Défendez-vous. Vous avez le monde entier que vous écoutez, suivez. Écoutez, Jean-Marie, ce n'est pas sur ce plateau que je vais me défendre sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ça continue. Pour votre information, ça fait une année, jour pour jour, que je suis rentré de Conakry, je suis rentré
le 9 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2022, donc ça fait une année. Si je devais fuir, si j'avais peur, je ne serais pas rentré, parce que j'étais à l'extérieur. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de m'expliquer ici, parce que j'ai comparu. Je suis le premier ministre de ce pays qui a comparu devant des juges pour être jugé. Dans ce pays. Dans ce pays, la RDC, depuis l'indépendance. Je suis le premier. Mais je suis, et c'est ça la contradiction, le premier ministre qui a bien travaillé dans son pays, mais qui a été traîné devant la justice. Parce que les performances économiques les disent. Pour avoir bien travaillé. Pour avoir bien travaillé. Comme pour dire, le meilleur, comme le prédisait Machiavel, le meilleur seront maltraités, seront martyrisés. Mais là n'est pas le problème, Jean-Marie Kassamba. Mais écoutez, l'inspecteur général des finances dit dans son rapport que Matata n'a pris aucun dollar directement de la Banque centrale. Tout ce qu'il a détourné lui a été remis par l'entreprise sud-africaine African Commodities, gérée par M. Grobler. Dans le rapport du procureur général près la Cour constitutionnelle, il est dit aussi la même chose. M. Matata n'a pris aucun dollar du trésor public, c'est plutôt M. Grobler qui lui a retourné cet argent. Par surprise, alors que tout a été fait, et par l'inspection générale des finances, et par le parquet près de la Cour constitutionnelle, que M. Grobler n'arrive pas à Kinshasa, coup de surprise, M. Grobler atterrit à Kinshasa. On lui pose la question. Avez-vous donné de l'argent à M. Matata? Si oui, combien? Il dit, écoutez, s'il y a trois personnes sérieuses dans la gestion de la chose publique, dans votre pays que j'ai connu, M. Matata est parmi ces trois personnes-là. Deux, il dit, je n'ai jamais donné un dollar à M. Matata, directement ou indirectement. Il a dit à la télévision, Jean-Marie Kassamba, mais en principe, dans un pays sérieux, je devrais déjà recevoir des excuses à la fois du procureur général et de l'inspecteur général des finances, et même du gouvernement, vu les charges que j'ai occupées, et vu le sacrifice que je fais pour réaliser la meilleure performance de notre pays depuis l'indépendance. Donc, je n'ai pas peur, parce que je n'ai pas pris un dollar du trésor public, et je suis fier de le dire. Pourquoi voilà. Vous faites peur alors? Je ne sais pas si je fais peur. Est-ce que quand on n'a pas détourné de l'argent du trésor public, cela doit-on faire? Doit-on faire peur? Non mais, si Matata Ampogno, et là c'est une des questions, dérange pour 2023. Est-ce que vous vous estimez tellement représentatif avec une bonne base à travers le pays que vous comptez déranger les challengers de 2023? Écoutez, Jean-Marie, cette question-là, c'est vous qui me l'a posée, mais c'est à la population de répondre, parce que moi, j'ai répondu à la demande de mon parti. On a vu dans la salle, hein. Voilà. Ça scandait à tout va, dedans et l'intérieur, à l'extérieur aussi. Mais justement, c'est le Congrès, après avoir examiné l'ensemble de la situation socio-économique du pays, qui a estimé qu'un de leurs membres pouvait postuler en 2023. Mais je remarque qu'aussitôt que ma candidature a été annoncée, aussitôt, les instructions ont été données à la justice pour opérationnaliser les poursuites. Comme si c'était un péché d'être choisi comme candidat. Vous avez peur? C'est une image. Je n'ai pas peur, Jean-Marie Kassamba. Parce que tout le monde le sait qu'il s'agit des poursuites plutôt politiques et judiciaires. Vous avez vu la lettre du procureur général près la Cour de cassation, qui malheureusement a été adressé au président de la République, parce que selon le principe sacro-saint de séparation des pouvoirs, un procureur général, près la Cour de cassation, la plus haute cour judiciaire qui puisse exister dans notre pays, parce que la Cour constitutionnelle, c'est une cour d'exception. Lorsqu'il a décidé que voilà, M. Matata ne peut pas être poursuivi. Ça, c'est le président de la Cour de cassation. Ça, c'est le procureur général près la Cour de cassation, qui écrit au chef de l'État. Au chef de l'État. Ce qui est déjà une entorse. Parce que aussitôt qu'il a décidé, il devait me notifier.
Mais pour me notifier, ils demandent l'autorisation d'une autre institution. Ce qui est dramatique. Est-ce que ces jeunes-là, qui ont vu avec rempli cette salle, sont conscients et sensibilisés sur ces injustices-là vis-à-vis de Matata? Et ils sont conscients, Jean-Marie. Je vous l'ai dit, il faut faire attention avec le mutisme de la population. Il faut faire attention. Pendant la Deuxième République, nous avons eu les grands tam-tams d'Afrique. L'Ozerté, la Voix du Zaïre. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait que deux journaux. Salongo et Lima. Salongo et Lima. Et la population était matraquée par le mouboutisme. Vous connaissez la fin. Oui, en 1997. Ben voilà. Alors, donc, il ne suffit pas de la population que vous voyez là, les jeunes que vous voyez, qui se sont mobilisés sans avoir reçu même l'argent de transport. Ils sont arrivés parce qu'ils croient à une idée. Ils croient à un idéal. Ils croient à un espoir. Ils croient à un avenir. Cette population-là, la force, Jean-Marie, elle est écrasante. Un peu de diplomatie quand même, parce que vous avez vocation, si vous êtes élu, de quand même faire représenter ou plutôt faire respecter ce pays en Afrique et dans le monde. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente le Congo de demain avec ce fameux leadership éclairé, visionnaire que vous nous avez expliqué tout à l'heure? Laissez-moi vous dire, Jean-Marie Kassamba, et je sais que vous le savez, c'est à titre de rappel, ce pays n'appartient pas seulement aux Congolais. Ah oui? Ce pays, Dieu l'a donné aux Congolais pour que les Congolais puissent donner aussi la vie à l'Afrique et au monde. Le Congo. Savez-vous, Jean-Marie Kassamba, que l'électricité de Inga est capable d'éclairer l'ensemble du continent africain? Inga ici. Inga que vous voyez là est capable d'éclairer l'ensemble du continent africain et même le Moyen-Orient et le sud de l'Europe. Donc, Inga n'a pas été donné seulement aux Congolais. C'est un exemple concret, mais les exemples sont nombreux. Le produit agricole de ce pays, Jean-Marie Kassamba, c'est pour ça qu'on a créé Bukangalonzo. Aucun pays au monde ne peut pas se développer avec l'agriculture artisanale, avec des haches, des roues, des machettes. Quand nous mangeons ici les tomates, les pommes de terre qui viennent de l'Europe, mais on ne les cultive pas avec des haches et des roues. 80 millions de terres arables. Mais ça n'a pas été créé seulement pour la RDC. Le Congo est capable de nourrir l'Afrique tout entière. Jean-Marie Kassamba, c'est une grande responsabilité. Vous allez vous y prendre comment? Mais la méthode... Quand on sait que le pays de la sous-région nous envie, nous piller. Mais la méthode, c'est ça le leadership et la gouvernance. Voilà pourquoi nous avons voulu dénommer ce parti leadership, gouvernance pour le développement. Ce n'est pas un parti congolais, Jean-Marie Kassamba. Mais ce parti a une... inspiration africaine, voyez-vous, parce que en effet, qu'est-ce qu'on peut conclure? On est sorti d'une colonisation politique où les blancs exploitaient les noirs, mais nous sommes tombés dans une colonisation économique où une minorité des noirs exploite les noirs à cause d'une malédiction de leadership et de gouvernance. Donc c'est un parti avec une inspiration africaine. Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va amener les Congolais, comme entre 2012-2016, à travailler dur. Comment on va se faire respecter? Mais justement, on a une armée qui a des difficultés, on a des frontières poreuses, on a des richesses qui sont pillées. Dans les 100 jours, Matata fait quoi? Mais dans les 100 jours, bonne gouvernance. Parce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, quand on dit... On lutte contre la corruption. Mais ça ne se fait pas par la télévision, comme on le voit avec des pubs partout. Non, la lutte contre la corruption, elle est dans le concret. Quand vous fermez le robinet, comme on l'a fermé, mais ça ne demande pas 100 jours. Ça ne demande pas 100 jours, Jean-Marie Kassamba. Quand on a atteint le point d'achèvement en 5 mois, PPTE. PPTE.
Mais en 7 ans, on n'a pas pu effacer 10 milliards de dollars. En 5 mois, on a... Laissez-moi vous dire, quand j'ai dit ça à la directrice du département Afrique du Fonds monétaire, elle m'a dit, monsieur Matata, vous êtes trop courageux, ben écoutez, ben vos prédécesseurs, pendant 7 ans, j'ai dit, madame... C'était vos amis, hein, ils ont... Je vais le faire. Beaucoup d'amis là-bas au Fonds monétaire. Voilà la réaction d'un Américain. Là, c'était la réaction d'une Africaine. Je quitte son bureau, je vois le directeur général adjoint du Fonds monétaire. C'est un Américain. Je lui parle de la même façon. Il dit, nous les Américains, nous aimons des gens comme vous. Ah bon? Mais je vous l'ai dit. Vous êtes comment? Des gens qui sont ambitieux, courageux et qui rêvent. Il dit, nous les Américains, nous rêvons grand. Et en 5 mois, on a atteint le point d'achèvement. Donc c'est la même méthode, Jean-Marie. C'est la même méthode. Il n'y a pas de roue à inventer. Ce pays mérite mieux. C'est un grand pays. Ce pays de Lumumba. Oui, justement, parce que vous avez terminé votre grand discours, après la rediffusion sur Télé50, on a reçu quelques observations. Matata Ponyo rêve comme Mandela, comme Lumumba. Voilà, c'était un peu comme ça, hein, la fois passée. J'ai cité deux. Un qui représente pour vous Patrice Emery Lumumba et qui représente pour vous Joseph Kabila. Bon, écoutez, Patrice Emery Lumumba, c'est un héros national. Vous savez, cet homme a fait vibrer non seulement les Congos, mais l'Afrique tout entière. C'est un symbole africain. La lutte pour l'honneur de la race noire. Le monsieur ici. Bien sûr. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, que cet homme ici, une place dans la capitale européenne, en Belgique, a été baptisé à son nom. Débaptisé et baptisé au nom de l'Ouest. Oui, mais une université à Moscou. Ben voilà. Donc, c'est la valeur. Un leader, c'est un esprit. Il peut mourir, mais l'esprit ne meurt jamais. Donc, on a beaucoup de respect et beaucoup d'honneur à cet homme qui n'est pas seulement congolais, qui n'est pas africain, c'est un patrimoine mondial. Joseph Kabila Kabang, vous l'avez vu, je l'ai cité lors de mon speech au Congrès. Oui. Ben oui, je l'ai cité. D'abord, par sentiment de gratitude, parce que, vous le savez, c'est lui qui m'a nommé ministre des Finances. Et quand j'ai été nommé ministre des Finances, je n'étais pas du PPRD, parce que j'étais grand expert dans le domaine de la Banque mondiale. Le BCECO, c'était une structure apparentée à la Banque mondiale, et donc on ne pouvait pas appartenir à un parti politique. Mais il était à la recherche des 15 hommes. Dont il parlait. Ah oui. Et Matata en faisait partie. Bon, écoutez, par la suite, j'ai su que... Maintenant, on le sait. Bon, voilà. Et donc, par gratitude. Et quand il m'a nommé Premier ministre, Jean-Marie Kassamba, pour rappel, je sais que vous le savez, je n'étais pas le secrétaire général du PPRD. Mais il a voulu avoir la compétence dont il avait besoin pour opérationnaliser la vision qu'il avait, la révolution de la modernité. Il ne faut pas oublier... Un rêve, il faut un leadership opérationnel, transformationnel. Et nous avons fait un travail des titans qui reste remarquable pour aujourd'hui. Donc, je pense que... Et ces rêves, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Matata Ponyo rêve grand, mais le Congo a beaucoup de difficultés. Le Congo a un problème de formation, problème d'habitude. Le Congo a un problème de sous-développement. On a beaucoup avancé des chiffres en termes de budget. Vous serez quoi? 10 milliards? 50 milliards? 100 milliards? On a parlé de l'Allemagne d'Afrique, on a parlé des millionnaires. Comment vous allez faire, Matata Ponyo? Parce que vous avez terminé votre discours avec l'exaltation des jeunes à vous rejoindre. Vous allez faire comment? Écoutez, Jean-Marie, tous les pays du monde qui se sont développés, c'est toujours avec des rêves. Et ces rêves doivent être grands. Tous les hommes qui ont réussi, j'imagine vous aussi, pour faire des Télé 50 aujourd'hui ce qu'elle est, vous avez rêvé grand. Et c'est pour ça que nous devons rêver grand. Et quand vous avez rêvé, vous devez vêtir
les habits du leadership. Quand on vous dit qu'il n'y a aucun leader qui a réussi sans discipline, mais écoutez, ce n'est pas de la théorie, Jean-Marie. Quand on arrive au bureau, comme je le fais, à 5 heures du matin, pendant 5 ans, et qu'on quitte à 20 heures, chaque jour pendant 5 ans, comment voulez-vous avoir la même productivité de travail que celui qui arrive à 11 heures et il part à 15 heures? Ça, on ne peut pas théoriser ça. Qui est-ce qui peut rejoindre ce parti? Non, mais écoutez, ce parti-là, tout le monde peut rejoindre les LGD. Ceux qui sont déçus par le parti politique, qui pensaient que le parti politique, c'est une histoire de magouille, c'est une histoire de tricherie, de transhumance. Une seule adresse, LGD. Ceux qui pensent, comme vous, Jean-Marie Kassamba, que le reste de votre vie, vous devez les dédier à la RDC, qui, selon John Kennedy, doit avoir quelque chose de vous. Votre parti, c'est les LGD. Parce qu'en effet, si nous voulons créer une synergie révoltante, mais avec une productivité élevée, un rendement élevé, le seul outil politique qui nous reste aujourd'hui, c'est les LGD. La jeunesse, celle qui rêve grand, celle qui a encore l'avenir devant elle, celle qui croit qu'elle peut vivre un jour dans un pays développé, avoir des universités comme on en trouve aujourd'hui à Singapour, en Ukraine, tout ça, LGD. Parce que, Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas le Fonds monétaire qui développera la RDC, ce n'est pas la Banque mondiale, c'est la RDC elle-même. Laisse-moi vous dire, un jour j'ai participé avec traumatisme à une réunion des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. J'étais traumatisé. Un président de la Banque mondiale dit, et il s'adressait à la RDC, il y a des pays qui sont dans cette salle, qui n'ont pas besoin de venir chercher de l'argent, mais qui doivent donner de l'argent à la Banque mondiale. Oh. C'est incroyable, Jean-Marie. Mais c'est vrai, je vous l'ai dit. Et j'étais dans la salle. Et tout ça, c'est le leadership. Vous savez que la diaspora qui vous suit en ce moment est très énervée, hein? Parce qu'il se pose la question, mais si Matata connaît tout ça, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne s'était pas jeté à l'eau avant? Bon, écoutez, chaque chose a son temps, Jean-Marie Kassamba. Chaque chose a son temps. Les voies de Dieu sont insondables et je suis profondément croyant. Je pense que le plus important, c'est de se dédier à son pays. Si ce n'était pas ça, je ne serais pas avec vous aujourd'hui ici parce que j'ai reçu des offres alléchantes, mais je me suis dit que la meilleure contribution qu'on peut amener à son pays, c'est ce qu'on a. Et c'est ce que j'essaie de faire. Docteur Matata Mponyo, professeur, est-ce qu'on peut être meilleur quand on est formé au Congo, comme vous, à 100%? Mais écoutez, je ne suis qu'un produit local. Je suis totalement un produit local. Jean-Marie Kassamba, même si, quand j'étais Premier ministre, plusieurs fois, et à Washington, et à Londres, on me disait, vous avez étudié à l'ILB en Belgique, parce que bon, les meilleurs produits chez les Occidentaux, ça... J'ai dit non, je leur ai dit que j'ai étudié en RD Congo. J'ai fait mon école primaire à Kindu. J'y allais avec des babouches. J'ai fait l'école secondaire à Bukavu. J'ai fait la première partie de mon université à l'université de Lubumbashi. J'ai fait ma deuxième partie de l'université à l'université de Kinshasa. J'ai fait ma thèse de doctorat à l'université protestante de Congo où j'enseigne. Donc je suis un produit totalement local. Alors, décrispons un tout petit peu pour nous quitter. Qu'est-ce que explique les côtés sveltes de Matata Mponyo? Il mange quoi? Il se distrait comment? On a l'impression que vous êtes tellement orthodoxe, un peu carré. On ne sait pas à quel moment il se détend, Matata Mponyo. Olivier Ranine, bon, je me suis permis. Hein, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous dire qu'il n'y a que 1% de la population mondiale qui constitue la famille de leadership. Donc, c'est une exception. 1% de la population. 1%. 1%. Ce sont des études scientifiques. Je ne raconte pas d'histoire. Et pour être leader, il faut être discipliné. Le premier investissement d'un leader, c'est d'abord dans la discipline personnelle.
C'est ça le secret du leadership. Voilà pourquoi il y a 99% des non-leaders et 1% des leaders. Quand je suis nommé ministre des Finances, voilà l'origine de la cravate rouge. Oui. Je me pose la question à moi-même, que dois-je faire pour ne pas être comme les autres ministres des Finances qui m'ont précédé? J'ai dit, voilà, il faut être discipliné et ne pas détourner un dollar du trésor public. Et voilà, c'est la cravate rouge qui devra vous rappeler chaque jour. C'est ça l'origine. Février 2010. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Mais vous savez, Jean-Marie... Parce que les gens confondent aussi mes chaussettes rouges avec ça. Moi, je sais, la meilleure franc-maçonnerie, c'est la discipline. C'est ça la meilleure. C'est la meilleure loge, la meilleure société mystique que l'homme puisse disposer. C'est la discipline. Et dans tous les sens. Vous savez, le cerveau peut vous donner le meilleur de vous. Il n'y a pas un cerveau pour les blancs, il n'y a pas un cerveau pour les noirs. C'est le même cerveau. La discipline. Mais regardez, Jean-Marie, les meilleurs pays du monde ont été dirigés par des hommes disciplinés. Les meilleurs athlètes, mais ce sont des gens extra-disciplinés. Les meilleures équipes de football sont menées par des joueurs disciplinés. Posez la question à Ronaldo. Merci, Madame Tampogno. Nous aussi, on est disciplinés. On va terminer l'émission par là. De voilà. Et je vous invite à vous lever. On se donne rendez-vous très prochainement. Parce que maintenant que vous êtes jetés à l'eau, nous allons regarder avec ceux qui nous suivent à travers le monde, vous posant cette question de confiance. Vous pensez avoir convaincu ceux qui ont attendu cette émission que vous êtes l'homme de la situation? Bon, écoutez, Jean-Marie, je pense, à mon avis, que je ne suis pas venu ici pour faire la campagne, loin de moi cette idée, mais je suis venu, à votre demande, expliquer le bien fondé de cette offre nouvelle, l'offre d'un parti politique qui est censé faire la révolution dans la famille des partis politiques. Un parti pas comme tous les autres, un parti tant voulu, tant recherché par la population congolaise. Un parti du changement, un parti du peuple, un parti du progrès, un parti de la prospérité, un parti du rétablissement de l'honneur, de la dignité des Congolais. Et donc, je pense, si c'est ça la réponse à votre question, je crois avoir rendu le meilleur proposition qu'attendait la population. Merci beaucoup. Je vous invite à nous quitter. Merci beaucoup. Et je dois vous dire effectivement que ainsi va se dérouler ici la conviction de ceux qui veulent faire quelque chose pour notre pays. Ma tante Ambonier sera suivie de très près et moi, je vous tiendrai informé de la manière dont ça va se faire. À très bientôt.